Hotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, les astuces de Marjo. Cette fois-ci nous allons prendre soin de nos cheveux. Oui, nous allons faire un masque maison tout simplement. Alors, dans une de mes vidéos, j'ai voulu faire un tie and dye. Et le seul résultat que j'ai eu, c'est de me brûler mes cheveux. Ils sont dans un état où ils ont besoin d'être nourris, renforcé, fortifié, hydraté. Donc, je suis allée fouiner sur internet et j'ai trouvé un soin maison que je vais vous montrer de suite. Alors, pour ce soin, c'est tout couillon. Il vous faut, comme produit que nous avons à la maison, de l'huile d'olive. Donc, il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il vous faut 2 cuillères à soupe de miel. Donc, j'ai pris un miel bas de gamme. Ça m'aurait un petit peu embêté de mettre du très très bon miel sur mes cheveux. Je préfère le manger. Allô? Oui? Non, je capte pas. Excuse-moi, je capte pas. Oui, allô? Non, je capte pas, je te laisse. Il vous faut la moitié d'une banane. Non, je capte pas, je te laisse. Alors, on l'a dit, une demi-banane. J'ai pas trouvé plus gros. Voilà, je suis désolée, j'avais que ça sous la main. J'aurais pu prendre la hache pour couper une banane, c'est aussi bien. Je tiens à préciser que je ne sais absolument pas si ce soin fonctionne. Donc je vais le tester sur une semaine, on verra bien. Je pense que la deuxième partie de banane fera mon deuxième soin dans la semaine. En général, je fais 2 soins pour les cheveux. Donc le premier, ce sera celui-ci. Je vais mettre la banane au frais. Parce que je sais pas. Je sais pas, tiens d'ailleurs, une question. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de soin avec des fruits, tout ça? Si par exemple je mets toute la banane en entier et que je le conserve au frigo, est-ce que vous pensez que je peux le garder toute la semaine? Voilà, c'est-à-dire faire mon soin pour la semaine et le reste que j'aurais pas utilisé, le laisser dans le frigo. Écoutez, si vous avez la réponse, hein, en barre de commentaires, vous me le dites, hein. Alors, ce qui est génial, je tenais à vous le dire, quand vous faites votre soin, vous mettez d'abord l'huile, parce que après, quand vous allez mettre quand vous allez chercher le miel glisse sur la cuillère, ne reste pas fixé sur la cuillère. Ça, c'est un truc qui est sympa. Je viens de poser le soin, j'ai mis une brassière tout simplement parce que il y a de l'huile d'olive dans le soin et j'avais pas forcément envie de faire une marjorade et de salir mon haut en le tachant. Le soin pour l'application est absolument pas pratique, donc dans l'idéal si vous êtes dans votre douche, ça sera mieux, vous mettez tête en avant, pointe, jamais les racines, vous faites une tresse ou un chignon comme vous pouvez, comme moi, vous laissez agir 30 minutes et puis on va bien voir du résultat quoi. Après, au niveau du soin en lui-même, il est très doux. C'est-à-dire que entre le miel et la banane, il était obligé d'être doux quoi, au toucher, au niveau du toucher. Au niveau de l'application, voilà, c'est juste un tout petit peu liquide. Mais bon, voilà, c'est posé, on attend et on va voir le résultat. Bon, voilà, ça y est, je viens de finir le soin de le rincer. Alors, je vous avoue que j'ai rincé le soin et mes racines étaient super grasses. Donc j'ai refait un shampoing derrière. Donc je pense que ce soin, il vaut mieux le faire avant. C'est-à-dire avant de vous laver les cheveux, vous appliquez, vous faites une queue de cheval s'il faut, pour bien délimiter l'endroit où vous devez mettre le produit. Vous faites le soin, vous faites une tresse, vous attachez, vous attendez 20 minutes et après vous rincez et vous faites votre shampoing. Au moins on est sûr de ne pas avoir les racines grasses. Après,
je sais pas trop quoi penser parce que c'est vrai que dans les soins du commerce, il y a un voile de satin, il y a des trucs qui font que les cheveux sont très très doux. Là, ils sont pas forcément très très doux, mais j'ai l'impression qu'ils ont gonflé. Non, je n'ai pas fumé, je vous rassure, mais oui, j'ai cette sensation qu'ils sont plus... Ouais, comme s'ils étaient plus épais, plus... Voilà. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Je vais tester toute la semaine, là. Après, ils sont pas forcément extrêmement secs quand je les touche, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce voile de brillance qu'on peut avoir avec les soins de grande surface. Je suis pas pour, je suis pas contre, je suis un peu... au milieu, mon avis est mitigé, donc on verra bien. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.